Donc voici à quoi ressemble mon premier gâteau complètement raté. Comme vous voyez, il est cramé sur les côtés, il a gonflé, il a fait des montagnes là partout, je sais pas quoi. J'ai réussi à le démouler, vous voyez. Je peux clairement pas donner ça à l'école tout à l'heure pour les enfants. Donc j'ai refait un gâteau. Je vous montrerai une fois qu'il est terminé. Pour l'instant, c'est en bonne voie. Voilà à quoi ressemble le second gâteau. Donc il me restait pas grand-chose en couleur en pâte à sucre, donc je lui ai fait blanc avec un 6 bleu, il sera très content. La bougie, j'ai pris la même que celle pour l'anniversaire de avec ses copains, elle a à peine été utilisée comme vous voyez. Donc on va la réutiliser avec les copains à l'école. Il sera content, je pense. Et puis je peux vous dire, il est 1h55 et je finis seulement mon gâteau. C'est encore pire que quand j'ai fait mon gâteau Cars. Mais bon, voilà, je suis contente. Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. Là, je vous prends le matin, j'ai déposé les enfants à l'école. J'ai la puce qui est en train de prendre son biberon, tranquillement. Je suis dehors parce qu'il fait super bon. Donc, bon, on a ouvert un peu... très tôt ce matin, enfin JB quand il s'est levé ce matin avant d'aller au boulot, il a ouvert les fenêtres, les volets pour que le frais du matin rentre bien dans la maison. J'ai la puce qui me regarde. Mange ton biberon ma puce. Surtout que, bon là il est quoi? Il est 9h moins 10, il faut que j'aille faire des courses ce matin. Un peu comme tous les lundis. Hein. J'ai pas... Je viens de capter ma voisine à sa fenêtre et vu que j'ai regardé, elle a reculé. C'est marrant ça. Je voulais pas les faire, je vous avoue. Vu que après l'anniversaire de Maxence, les garçons n'avaient pas faim. J'ai ressorti le tabouli et les. Ouais, il fait sombre dans la maison, j'ai tout laissé fermé. Il y a juste les fenêtres qui sont ouvertes, mais les volets sont fermés. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'ai un problème de poubelle. Vous savez, ma fameuse poubelle que j'aimais bien. Attends, parce qu'on appuie là, ça marche. Eh ben, ça ne marche plus. Le ressort a disparu. Les enfants ont dû mettre un truc dedans, ça a fait sauter le truc. J'ai jamais trouvé le ressort, donc je suis dégoûtée. Donc oui, je disais, samedi, les enfants n'avaient pas faim. Alors j'ai ressorti le taboulé, la salade de melon, pastèque, tomate. Et donc, il me reste le poulet. Je voulais faire un poulet rôti avec des frites, il me reste. Donc je comptais le faire ce soir et en plus, aujourd'hui c'est l'anniversaire de JB, il a 32 ans. Donc je vais faire un gâteau. Ça va être surprise parce qu'il s'y attend pas en fait. On n'en a même pas discuté de son anniversaire, je crois que je vous l'ai déjà dit au niveau cadeau, tout ça, on n'en a même pas parlé. Donc tout est surprise pour lui. Bon, il n'y a rien de spécial, hein. On est lundi, ce sera entre nous, mais je vais lui faire un beau gâteau. J'ai acheté un petit truc, un petit cadeau, ça devrait lui faire plaisir. Donc je vais faire ça aujourd'hui et pour faire plaisir, je vais faire le poulet rôti ce soir avec les frites. Ce sera un bon repas anniversaire, je pense qu'il sera content. Enfin, j'espère quoi. Et puis qu'il ne sera pas trop, trop fatigué. Mais je pense qu'il va être content. Il faut aussi, je ne vous ai pas dit, enfin, je n'ai pas débarrassé encore mon buffet. Vous voyez, il y a encore tous les ballons, une partie de la nappe que je n'ai pas enlevée. Donc je vais faire ça aujourd'hui. Faut que je fasse une machine parce que JB m'a mis une tonne de machines une tonne de linge dans le sac à linge sale. Donc il va falloir que je fasse ça. Faut que je monte une vidéo parce qu'en fait je l'ai tournée, je me suis rendu compte que je l'ai pas montée. Donc en fait aujourd'hui ça va être boulot quoi. Hein? J'ai la puce, ça me fait des têtes dès le matin. Hein? Vas-y, mange, c'est quoi que tu fais là? Regardez. Un bug. Tu fais des coucou? Coucou tout le monde. Alors vous voyez pas, mais elle fait coucou avec sa main. Mais vu que c'est derrière le biberon, vous la voyez pas faire. Donc moi je vous laisse pour. Elle a bientôt fini, comme ça après je la prépare et enfile direct aux courses. D'ailleurs, il faut que je fasse ma liste de courses. Pourquoi la note du numéro de téléphone? Et puis je reprendrai tout à l'heure. J'ai la petite puce qui danse. Oh, laisse les bières tranquilles.
C'est comme ça qu'on danse la puce? Elle me dit au revoir. On y va? C'est bon, t'as fini de danser? D'avoir ramené les courses. Tiens, attends, je vais t'aider. Vas-y, je te tiens. Mets le pied. Non? Tu veux que je te porte? C'est parti, vas-y. On met ça où? Tiens, donne à maman. Ça va être dur. Hop. Poser ça là. On va chercher le reste. Il est court. C'est bien d'avoir une petite puce avec soi, hein? Toujours en train d'aider sa mère. Je viens de vous tourner un retour de course. Maintenant, il va falloir que je range tout ça. Alors, ce retour de course, je le verrai dans la semaine, un jour où je suis au travail. Comme ça, ça vous fera une petite vidéo de nous. La puce était avec moi. Elle ne veut pas me lâcher. Et elle me fait un truc que je ne suis pas contente. Laisse la ceinture. Elle tire sur son t-shirt. Mais d'une force, j'ai l'impression qu'elle va l'arracher. Ah, bah oui, il y a Charlie. Bon allez, moi je me dépêche de ranger tout ça parce que mine de rien, il est déjà 11h. Et que je vais chercher les garçons dans pas longtemps. Bon là je vous prends, on emmène les garçons à l'école. On a décidé d'y aller à pied. C'est... Il fait beau, on en profite. Ils ont prévu encore... Ah, j'arrive pas là? Ça monte. D'accord. Ils ont prévu encore énormément de soleil, de chaleur. Donc, même moi, j'ai sorti mon chapeau que j'ai acheté à Biscarrosse, là, quand j'étais faire l'enterrement d'une jeune fille de ma sœur. Mais il faut pas qu'on prenne trop notre temps non plus, hein, parce que là, on s'est décidé au dernier moment, donc je pense qu'on arrivera pile poil. Hein? Au moins, ce qui est bien, c'est que quand j'y vais en vélo, ils vont au même rythme que moi quand je marche. Parce que quand ils sont à pied, il faut que je les attende, parce qu'ils marchent forcément beaucoup moins vite que moi. Que là, je peux marcher à mon rythme, vu qu'ils sont en vélo. On se suit. Ça fait plaisir? Et bon, je suis bien rentrée à la maison, les garçons sont déposés, ils étaient contents d'y aller en vélo. Au début, Maxence, il était réticent, mais finalement, il est bien content d'avoir emmené à l'école. Donc là, je suis en train de faire le gâteau d'anniversaire de JB. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est le gâteau de qu'hier, j'ai loupé, mais pour nous, c'est largement suffisant, on mangera au milieu, je vais lui faire un petit truc avec... la pâte à sucre, en fait, je vais faire un peu comme, vu qu'en ce moment il est à fond dans le foot, je lui fais un gâteau avec le drapeau de la France. Je vais lui faire le truc de la pâte à sucre en bleu, blanc, rouge, et puis je lui mettrai les bougies 32. Il sera content, je suis sûre, et il s'y attend pas, donc dans tous les cas, je sais que ce sera une bonne surprise. Donc là, j'ai ma ferrée à faire ça. J'ai chaud, mais alors, un truc de fou, c'est abusé, c'est... Vous voyez là, fait toute nuit, j'ai laissé tout fermé. Ici, j'ai pas de volet, mais sinon, je l'aurais fait aussi. Mais il y a un petit vent qui vient juste derrière moi, là, dans mon dos. Ça va faire du bien pendant que je m'attelle à faire ça. x3. Donc, comment vous dire, je vais encore avoir plus chaud. Il va falloir que je me pose après, une petite douche avant d'aller chercher les enfants, parce que là, c'est pas possible. J'ai trop chaud. Et voilà son gâteau. Bon, il y a un petit peu d'imperfection parce que j'ai fait avec les bouts qui me restaient. J'avais plus grand-chose en pâte à sucre. C'est pas top top, mais c'est suffisant et ça lui fera bien plaisir, je pense. On essaiera de cacher un petit peu la misère, mais ça va lui faire surprise. En fait, j'ai l'impression que j'organise un anniversaire surprise. Mais un anniversaire surprise en famille, tous les cinq, quoi. Parce qu'il s'attend pas du tout, il m'en parle pas, mais bon. Le 3, il tombe un peu vers le 2. Hein. J'aurais peut-être pas dû les placer là. Mais bon, il sera content, c'est très beau. Maxence, il a reçu ça comme cadeau d'anniversaire par un... non, c'est une copine d'école qui lui a offert ça.
Non mais regardez, la puce, elle monte sur la table carrément. Elle est aussi intriguée que Maxence par le jeu. Je lui dis que c'est pas elle, mais non, elle n'est pas d'accord. Papa. Oui. De quoi la puce? C'est Maxence qui va faire. Il est où Maxence d'ailleurs? Ah. Oui, mais tu n'es pas obligé de me dire ce qu'il fait dans les toilettes. Juste qu'il est aux toilettes, ça me suffit, mon bonhomme. Hein? Donc on va ouvrir ça, je vais lui monter. Ça ne devrait pas prendre trop de temps. Et puis il pourra s'amuser avec. Et je vois que j'ai les. Voilà, j'ai les deux autres là avec moi. Il ne lâche pas, hein. Et par contre, il fait super chaud. On n'en peut plus. Il fait 28,5 dans la maison, 28,6. Ça, on a perdu 1 degré, mais c'est pas assez. De quoi? De quoi, toi, oui? T'as fait une blague? Oui. Et l'autre qui est excité comme tout. Maxence, il est content. Je lui ai monté son petit truc. C'est un robot. Bah, montre-moi, Maxence. Un robot qui se met debout. Montre-moi. Et puis, on peut plier les jambes et les bras. C'est un peu comme un Transformers, en fait. Pour que ça devienne des petites, petites voitures, quoi, on va dire. Maxence, il adore. T'arrives à le remettre? Voilà, pour relever les jambes. Voilà, c'est un bonhomme. Ça fait un peu Star Wars, non? Oui, ma puce. Montre. Et toi, t'as pris le pistolet, la puce. Ouais. Du pot, là. Et toi, t'as le pistolet du bonhomme? Oui. Et là, il y a le casque. Montre-moi. Attends, je vais mettre le casque au cas où il se fait mal. Et regardez. Voilà. Hey. Et maintenant, je vais mettre le casque. Allez, voilà. C'est super. Allez. T'es content? Ouais. Et moi, ça... Non. Calme-toi, mon fils. Non, assis-toi comme il faut. Elle est excitée. J'ai mis un dessin animé pour les calmer. On soit tous ensemble là sur le canapé. On connaît pas, ça s'appelle Battle for Terra. Ça a l'air bien. Assis-toi la puce. On s'assoit sur le canapé. Tu te poses tranquille avec Maxence. Ah, elle te fait mal. Tu prends ton doudou. Reste calme, regarde le dessin animé. C'est vrai que c'est beau, ça fait des belles images. Donc là on fait ça, JB m'a dit qu'il risquait de rentrer tard. Ça m'embête avec tout ce que j'avais prévu pour son anniversaire, mais bon, c'est pas grave. J'ai décidé qu'on l'attendait. C'est la dernière semaine d'école, c'est pas grave. S'ils se couchent tard et qu'ils sont un peu fatigués demain. C'est pas la dernière semaine qu'ils vont apprendre des choses. Donc, t'es contente? Tu cadres, elle est contente de se poser là avec tout le monde. Elle est marrante, elle ne lâche jamais. Tu te poses la puce. Elle regarde pas le son. La puce, elle veut absolument être sur les jambes de Amaury. C'est trop mignon, je trouve. En ce moment, ils jouent tout le temps tous les deux. Doucement. Qu'est-ce que j'ai dit? Doucement. Amaury, il est trop grand, tu peux pas le porter. Allez, on a ça. T'es contente, petit? Amaury, t'es trop lourd. T'es trop lourd pour Maxence. Amaury, Maxence, il est trop petit pour te porter. Merci mon Max.
La puce aussi est courte. Oui, la puce. Elle fait bravo, c'est bien. Amaury, il est venu, mais il est reparti direct. Ah. Coucou tout le monde. Bon, bah, JP vient de rentrer, comme vous avez pu le voir, avec les enfants qui lui ont souhaité un bon anniversaire. Il est 9h20, presque 25 maintenant. Je sais plus si je vous avais dit. Hop, je vais me mettre là, ce sera mieux. Voilà. J'ai prévu poulet frites pour ce soir. Donc là, le poulet, il est dans le four, en train de chauffer. Il reste 24 minutes de cuisson. Et les frites, je suis en train de commencer à préparer les patates. Donc je vais les mettre bientôt à la friteuse. Et on va se prendre un petit apéro avant et commencer la petite soirée d'anniversaire à JB. Il va être content. Ce soir, on mange poulet rôti frites avec ma petite sauce que je fais avec le jus du poulet. Je mets sans matière grasse et je rajoute juste du vinaigre et un tout petit peu de beurre. La puce, elle est au taquet, elle a trop faim. En même temps, il doit être 22h. Hein ? Il est temps de manger. On se croirait déjà en vacances. Bon, allez, on s'installe ? Sinon, c'est les vacances, il n'y aura pas de vacances. Donc, on le fait avant. On le fait pendant les vacances pour qu'il y ait des copains qui viennent à son anniversaire. Mais si c'est ça, on peut. Toi, si tu étais né pendant les vacances, ton anniversaire avec les copains, on ne le ferait pas pendant les vacances. On le ferait avant ou après. Pour que les copains puissent venir à la maison. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, papa! Joyeux anniversaire! Bravo! On applaudit? Bah, vas-y, Amaury! Tu fais bravo, la puce? Ouais! Ah, ce serait drôle. Ouais, c'est bon, j'ai déjà eu le Père Noël qui m'a offert des assiettes à escargot. Ça va être autre chose cette fois. Alors, c'est quoi? Dans l'autre sens, mon chéri. On dirait des ballons. Ah, c'est un truc pour que je puisse mettre mon verre dans la piscine. Eh oui. En forme d'ananas. Alors, ça, c'est à moi. On n'a pas le droit de jouer avec. Il y aura ma bière dedans. Et alors je suis sûr que je sais ce que c'est. Ça, c'est un jeu de société qu'on a joué chez Nico et Lodi. Non. Je pense que t'as raison. Ah, tu penses qu'il a raison? Ah non. Eh ouais, maman a fait des surprises. Elle a dit nouveau. Alors, Mysterium, je ne connais pas. Un jeu de société à plusieurs. Oui, bah, je peux tout. Non, ma fille. Alors, c'est quoi comme type de jeu? C'est marqué où? Ah, c'est un truc genre Cluedo avec des énigmes. Vous constatez, je vous prends que le lendemain matin, après qu'on ait mangé tranquillement, fêté l'anniversaire de JB, qui était bien sympa, mais vachement tard hein, pour les enfants. On les a couchés tout de suite après, mais il devait être 23h à peu près. Peut-être même un peu plus, mais bon. Ce matin, ils n'étaient pas trop vraiment fatigués, je trouve. Je trouve que ça allait. Et puis, c'est la fin d'année, c'est pas grave. Et nous, on s'est regardé un film et je me suis couchée. Il était encore quatrième fois de la suite que je me couche après 1h, parce qu'il était 1h passée quand je me suis couchée. Donc, super quoi. Ce matin, je me sens quand même très fatiguée. J'ai eu du mal à me réveiller, et à entendre mon réveil ce matin. Ça va mon chat? J'ai les chats qui débarquent pour être avec moi. Moumoute, elle est pas gentille. Hein. Elle crache dessus. Enfin, cracher comme ça là, à son bébé. Moumoute, c'est la maman des deux autres chats. De Charlie et puis de Peureux.
Et des fois, elle n'est pas contente, elle a pas envie qu'il soit là avec elle, donc elle leur grogne dessus. Mais bon, c'est pas grave, c'est une histoire de famille. Donc voilà, donc moi je me suis couchée à 1h et franchement je suis allée me coucher direct. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner, ça fait toujours très plaisir. Et je vous donne rendez-vous demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye.